Mais la mode, par exemple, on ne va pas dire parce que je suis d'accord, old fashion. Mais moi-même, depuis mon petit, je connais pantalon privé au niveau de l'air, le time. Quand je suis pantalon à disparaître. Hier, je conduis mon monde qui descend, et puis je pantalon privé au niveau de genou. Donc, je me dis, ah, mon problème, parce que je n'ai pas fini de comprendre, est-ce que c'est pantalon trop court ou mes shorts là trop long? Réginal, est-ce que tu travailles actuellement là sur un projet musical? Je dois dire que des fois, et l'homme a des moments et très. Et j'en dis, quand il m'a posé mes questions, que ce soit sous ça qui a passé autour de vous-même, il y a des fois. Et des fois, je suis plaqué dans les villas Vim, et qui était sorti en 93. Je ne sais pas si je suis sur Vina Vim. Là, on a du boulot. En pile, on a demandé plaque ça. Bon, c'est une plaque qui a un succès vraiment. Quelle question. Il n'y a pas de gens qui comprennent qui en fait. Mais oui, en plein embargo, comme on a sorti son plaque comme ça. Mais c'était peut-être un déchirement, c'était peut-être une émotion quelconque qui fait ça. Quand je ne sais pas si je suis sur une émotion, si je ou incertitude, si bon, j'ai des questionnements, il n'y a pas de doute comme tout le monde. Et donc, je me sentis que on y a, je ne m'adresse à personne, dans le sens que tout le monde, même le croisement, on a là, oui, on y a, on dit ça, autrefois, on est là, oui. Depuis, la machine a venu, bien le flash, ou bien le fond à l'eau, extraordinaire, comment y est. Pareil comme ça. On a salué un gars 15 fois dans la journée. On y a, non seulement pas le monde qui a la machine, là. Deuxièmement, et tout le monde un petit gens sont un petit gens stressé, visage stressé, holding back, et ça pas inspiré non leur regarder. Ouais, tout à fait, non, pas du tout leur regarder mon dieu comme si extrêmement nerveux, extrêmement préoccupé. Donc est-ce que ça veut dire que dans l'élément de réponse pour moi là sur affaire projet, est-ce que ça veut dire que on va commencer à écrire des musiques à caractère social? Bon, c'est arrivé déjà. Alors, évidemment, avec la complicité de Sito Kavé, vous faites Mabdi, M. Bonne fête publiquement, je veux dire, fête. Yes, oh, nice. Et, mon cher, et, oui, il y a des musiques qui fait dans ce sens-là déjà. Enfin, moi, d'abord, il y en a d'ailleurs qui s'annouillent, par exemple. Oui, c'est vrai. Ouais, et je pensais que c'est ça, bon. Alors, il y a une grande différence entre musique à caractère social et musique et musique engagée. Qui s'ennuie, c'est pas engagé tellement. Bah, c'est quoi ça? Parce que son, encore une fois, c'est son réflexion, son questionnement. Qui s'ennuie, je dis. Hein? Mais ouais, engagé, ouais. Moi, c'est là beaucoup plus loin que là. Enfin, ça, peut-être m'a dit que moi exactement la définition là. Même j'ai l'impression que et qui s'ennuie à l'entendre, faut avoir autant de nombreux que finalement il n'est pas allé dans ce sens. Ça nous-mêmes, nous connaissons les engagés et qui gagne toujours un aspect et sociopolitique même là-dedans un petit peu. Et donc, bon, qui s'ennuie m'a exactement comme ça. Et donc, effectivement, oui, que tu as gagné l'autre musique qui allait dans ce sens-là, bon, je vais gagner la tête, mais là, et on y est. Mais on travaille sur ça là, à un moment. Et beaucoup non, plus, parce que où est Figue Mounion, avec des mines particulières, et où on vit. Je ne vais pas aller dans le même sens-là, et je vais essayer d'expliquer, justement. Je pense que soit je ne vais pas peindre, mais soit peindre, et je pense que l'environnement influencé. Et ça cap sorti de tableau là. Tout à fait. Et musique la même chose. On a fait une belle musique. Bon, moi-même, le plus souvent, c'est pas voulu. C'est son état d'âme lié. Et j'ai tout. Mes mélodies et sont pour la plupart extrêmement mélancoliques. Et parce qu'on n'a pas qu'être barré qui pour moi traduit la mélancolie. Par exemple, Baldo. Pour un pile monde, musique Noël, ça veut dire que. C'est célébration,
c'est son éclatement. Mm-hmm. Pour moi-même, la musique Noël, son bail extrêmement mélancolique, extrêmement. Je ne parle pas de triste, mais disons qui ont une émotion autre qu'une émotion de célébration, d'explosion. Tout à fait. Donc, c'est pour me dire que j'ai toujours adoré la Noël. La Noël, c'est une fête que je ne sais pas, qui me toujours vraiment en pile émotion. Yeah. Uh-huh. Donc, mais il y a des gens qui disent bon, Noël là pour eux-mêmes, c'est pimpé pour monter bail de ce genre. Donc, tout ça, on dit gens influencés, soit dit, soit écrit, selon gens que état d'amour. Tout à fait. Dans la musique qui s'annoue, et où tu as utilisé un nouveau chanteur qui c'est Réginald Lubin. Mm-hmm, mm-hmm. Et on a salué Armstrong Jeune qui fait paraître. Armstrong, très bon chanteur Armstrong. Yeah. Ou beaucoup jamais utilisé, monsieur? Non, et à une époque, monsieur était. Alors, c'est aussi, on a fait de liste tout le temps, on a dit, monsieur était sur liste. Mm-hmm. Mais à une époque, monsieur était chanté avec New York All Stars, c'est ça? Yeah. Yeah. Et monsieur te rappelé la une de la musique, hein? Monsieur était une intonation un petit peu de Ralph Tamar. Je me suis dit, monsieur, ça, je me suis New York, et Miami, on a parlé de ça. Mm-hmm. Mais effectivement, et ça ne s'est pas fait, ouais, ça, malheureusement. Nous avons jeté sur un disque tout d'ailleurs, en tout temps. Un disque que je n'ai pas joué, vraiment un pile en radio ici, je me suis battu souvent. Mm-hmm. Donc, et Armstrong était. T'es une des monde que m'te visé vraiment pour une collaboration, c'est vrai. Il est beaucoup trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ouais. Il n'est jamais trop tard. Bon, et je vis à New York, je vis ici. Maintenant, avec la technologie, oui. Je suis retourné sur ça. Et Ralph Tamar a chanté dans le dernier disque. Hein. Chanté deux morceaux, mais c'est à distance. Ouais. Ça se fait maintenant. Yeah, tout à fait. Donc Armstrong est effectivement t'as qu'à faire le même genre. Mais Réginald lui-même. Si je retourne sur monsieur, c'est un monde qui a. Moi, je travaille avec monsieur en pile parce que je suis très professionnel, très sérieux et je suis un monde qui est très méticuleux dans ce sens. Mm-hmm. Je respecte l'heure. Oui, au-delà de 10 heures, mon niveau là. Exactement, 10 heures. C'est comme ça, mieux. Donc, très ponctuel. Donc, et Réginald me dit, monsieur, 6 heures, il est là. Tout à fait. Je vais influencer où, Réginald. Mm-hmm. Qui musicien actuellement là qui en activité dans la génération ça qu'on senti qu'on est capable de collaborer avec instrumentiste dernier qui vivait sous dit ah monsieur même s'il a fait musique bon même commercial bon moi j'ai dit bon me collaborer avec un pile là des gens qui justement qui est extrêmement et pas seulement compétent, mais les musiciens de bon niveau. Et on t'a parlé de Macarios, on t'a invité, son yon d'un projet mieux. Et qui est-ce encore Dener ACI. Bon, Dener, nous t'ai fait une séance de répétition là, quand même, mais c'était dans l'autre projet de Nuit Magique de la guitare. Okay. Mais nous t'ai. On ne peut pas dire qu'on s'est donné rendez-vous, mais on l'a effectivement. Nous étions dans l'avion, nous avons échangé le numéro de téléphone, mon chef on parlait. Mais on est. À chaque nexo activité, par exemple, il y a des fois, et il y a des fois, il n'y a pas fait. Et j'entends vraiment là. Il y a un autre bassiste qu'on ne peut pas connaître qui est Adi La Force. Monsieur, c'est tout ça, c'est des gens qui m'ont invité. Il vient jouer avec moi. Alors maintenant, je connais son pays d'artistes qui ont évolué en Haïti ou bien. Non, pas nécessairement. Et mais grand pile parce que il y a Adi La Force, il y a Arvel. Non, on devrait parler de. Dans le mec qui a fait compas direct dans le moment. Par exemple, les Nietzsche, les Orly, les soucis. On ne va pas parler de. Guitariste seulement. Parce que. Je t'ai pensé à Orly et pas qu'on y a, mais ça remonte à 3 ou 4 ans. Mm-hmm.
parce que monsieur un genre de musique qui plus a parlé de l'amour plutôt je, ça me détendait parce que dans l'ont fait me dit qu'est-ce qu'a chanté là dit bon, tiens donc ça a retenu mon attention. OK. Bon, il y a pas eu de suivi. Peut-être parce que on qui composé et le plus souvent par exemple des bonnes musiques comme des fait magnifique fin faire musique là moi c'est Dadou qui est dans tête. OK. Pas gain l'autre monde dans tête même. Donc, de musique, ça. Automatiquement moi relé monsieur et puis bon. Et puis on, donc, nous collaborons plusieurs fois hein. D'ailleurs monsieur fait sur son plaque là moi je joue de moi sur la dedans. Oh nice. Yeah. Nice. Maintenant et gain jeune chanteur chanteuse oui que m'utiliser et bon, de utiliser Mamina ou quoi, non, Black Man. Carlil en balève, là. Ah, voilà. Salut, hein. Le mari de Mamina. Donc, oui, très bien. Nous devons dire Carlil. Carlil. Et donc, nous, c'est aussi, nous faisons deux ou trois prestations avec Mélissa Dauphin, qui chante très, très bien. Et de même que Sarah Jane Rameau. Ouais. John Ben Thomas, tout ça, ce sont des jeunes. Ça a dit à moi, il est intéressant. Beaucoup de gens font interview avec lui. Sur le rapport coordonné, ils sont très bons. Moi, bon. Je regarde des vidéos sur YouTube. Yes. Moi, bon, moi, Alan Carvey était chanté, moi, tout, comme ça. Yeah. Et donc, ça veut dire que je ne suis pas fermé. Non, moi, je me dis ça. Non, je ne dis pas dire que non, parce que, bon, écoute, ça qu'on y vit vraiment. À part l'autre jour, j'aime nous, là, si monsieur, je t'ai invité à jouer à Miami, t'es un calo vieux, t'as chanté tout. Mais, au contraire, il y a des mouns qui voulaient, justement, faire autre chose. En vrai, non, de autre chose, pas comme des sorties de style, pardon, mais explorer d'autres, d'horizon, essayer si vous capable monsieur. Bon, moi j'ai besoin de ça chaque fois. Mm-hmm. On parle d'évolution et ça a dit mais Mabdil et c'est pour le bien de tous les musiciens qui ben, comment se fait-il que un festival de jazz en Haïti alors mal accès à la jazz seulement mais comme c'est il y a des ateliers, il y a plusieurs musiciens de bon niveau, on ne peut pas dire des musiciens 5 étoiles qui débarquent en Haïti, mon cher, et en même temps, on connaît que moi-même, j'ai un magasin de musique, et en même temps, à une époque, nous avons 26 CD en pile, et parce que maintenant, le CD n'a plus ce même rayonnement et commercial, si vous voulez, et c'est plus download. Non? Donc, ça qui arrive, comment se fait-il que je n'ai pas de chance de tomber sous des musiciens justement qui jouent musique de danse qui viennent dans un festival là on connaît d'autres musiciens de jeunes talents haïtiens de qui remettent jazz qui viennent qui vraiment extrêmement est intéressé à aller de l'avant à faire des progrès il y a l'atelier tout ça. Mais par contre on pas ouais orchestre et de danse du tout. Mais musicien ça. Bah ouais, le promoteur, c'est le promoteur de la chose qui ne les a pas invités, d'après moi-même. Non, pas invité pour venir jouer précisément son festival de jazz. Mais je que par curiosité. Oh, par curiosité, on était supposé venir, ouais, tout à oui, fait. Oui, par curiosité. Oh, après, on dit que Brentford Marsalis, qu'est-ce qu'est Brentford Marsalis? Bon, regardez, non. Et puis, on dit, ah, c'est monsieur, bon, bref, qui Brentford lui-même, justement, pour me répondre à Sarah Abdoulan, monsieur son musicien de jazz. Pourtant, il joue avec Sting. Oh, wow. Mais oui, il joue avec Sting et puis il n'y a pas de problème puis il joue avec. Il est ouvert à toute catégorie de musiciens. Et donc, moi-même, j'ai essayé de comprendre pourquoi et ce je ne vais pas dire ce refus, mais disons, et ce désintérêt, je connais cette indifférence. Si je me carré le point. Indifférence, pas vrai? Hein? Bon, vous pensez que c'est de l'indifférence? Bon, oui, parce que ou bien ils attendent peut-être à être invités. Non. C'est vrai que c'est ouvert à tout non, le monde. Non. On a dans le festival qu'on parle, je ne suis pas invité, on a dans le garder.
Dans quel festival qu'on va aller déjà? Non, je n'ai pas le droit. Mais est-ce qu'on va aller déjà? Non, je n'ai pas le droit. Non, je n'ai pas le droit aller. Ok, qu'est-ce que ça, ça? Mais je n'ai pas le non, je n'ai pas le je n'aime pas la foule d'ailleurs. Non, vraiment. Je n'ai pas le foule. Tu n'es qu'il évidemment. Mais non, je n'ai pas le foule. Et évidemment, l'époque où je n'ai pas le droit, c'est que c'était bien aimé la foule. Ok. Mais ce que je veux dire, bon, je suis allé dans le carnaval tout le temps. Bon, bref, j'ai arrêté. Et tout simplement que je ne parle pas foule encore. Bah d'où est Caribbean pas jamais au carnaval? Et non, non, non. Pourquoi ça? C'est ton choix ou bien? Moi, je ne vais pas jamais m'intéresser là. Il va me contacter donc. Non, justement, je ne t'attends pas à être contacté pour former une carnavalesque quand même. Bon, et j'ai envie de travailler dans le vide. C'est-à-dire que on m'a dit que bon, ma fond vagaille, mais ma p'tanyoril. Ou pensez que si Caribbean te décide de former un carnavalesque, pas aucune façon que tu t'a prendre le métier n'importe au carnavalesque? Bah, je me pose cette même question ça. Je dois dire monsieur, je dois être franc. Et je t'ai contacté en 1979 pour me démonter sur un char carnaval. Bah, longtemps, ouais, qu'on met dans ça. Yeah. Et tout simplement, moi, l'homme te dit mon nom, bon, voilà ce que ça va coûter. On a dit, ah non, même c'est pas bon, t'es qu'on sorte de. Hésitation, peut-être que ça me demandait pour l'époque, t'es exagéré pour moi. Et en même temps, ça m'a proposé pour moi-même, pas te représenter effort ça. Hein, okay. Parce que je viens de trouver que quand il y a des groupes qui forment, bah ouais rentrer puis ils font là bas il y a pilote bas qui forme c'est des navires ouais il y a des groupes qui forment et uniquement pour le carnaval et puis après ça disparaît. Non mais c'est vrai, tu as raison, on va besoin de rentrer là-dedans, c'est vrai. Non, on va dire comme des partis politiques qui disparaissent. Bon, on connaît bien 300 et puis après ça ouais et puis c'est vrai encore. L'autre année, 5 ans après, et puis pour les partis politiques, oui, tout à fait, laisse-moi le dire. Vous êtes dans l'élément de réponse qu'on a là, on a qui attire l'attention. Moi, vous dites que ce qu'on avait proposé au Caribbean Sixtet pour le sortir dans le parcours carnaval est n'est pas intéressé. Qui ça le dit? Est-ce qu'on a un petit détail? Non, on va loin de essayer de songer, on va faire le COB. Forme de que. Principale motivation Caribbean Sixtet, c'était pas quoi, c'était pas du tout ça. Au départ, c'était justement faire de la. D'ailleurs, voilà pourquoi que nous faisons choix ça. Ok. Donc son choix qui devine réussi quand même, parce que il y a eu quand même des comment on appelle ça encore, des gens qui des monde qui étaient intéressés à sa affaire. Donc pour nous mêmes c'est un challenge pour nous réunir tout le monde ça pour venir t'aider. Maintenant, parce que quand même. Sous 10 millions d'habitants, je suppose, au cas où il y a un demi, même pas un demi-pourcent, enfin, une poussière de, en termes de pourcentage qui a apprécié un autre genre de musique. Maintenant, ça qui vient, c'est que je ne m'y attendais pas, mon ami a eu mon téléphone, il dit, est-ce que vous voulez monter sous le char? Je me dis, comment est-ce que vous voulez? Je me dis, bon, qui soyez plus clair, qui ça? Il dit, bon, et que dans les mains, que me fait partie de. Que nous sortis pendant les 3 jours. Je me dis, bon, c'est pas vraiment ça que moi-même. Monter sous chaque carnaval déjà. Mais ça me dégaine 16 ans. Ibo Combo? Non, pas Ibo Combo. Ibo Combo, pas déjà monter sous chaque carnaval. Je me dis, bon, orchestre qui était les Sugar Jazz. Ok. Donc, ouais, monter sous chaque. Et à l'époque, on se battait justement pour avoir un char. Voilà. Ok. Maintenant, après ça, je me suis juste trouvé que c'était, ça me donnait envie, comme si. Je ne vais pas faire une musique jazzy sur chaque carnaval. Je connais limite, je connais exactement. Non, mais ça. Je laisse aux autres ce qu'ils savent faire et moi-même, je vais le faire, ça ne va pas faire. Tout à fait, c'est extraordinaire. Je salue Sly Production de Miami, je salue Wallace Baligaz, Biggie August, mon bagage. Mais laisse-moi te dire, ou pas penser que sous tes participés, ou t'es capoté un changement dans la musique là, généralement parlant, parce que Tabou Combo avait participé avec sans mérite carnavalesque. N'a pas que
tabou, bah ça, Herman fait que et puis mon élan moué. Ça veut dire que tu pouvais par exemple venir avec tout bel accord que vous avez habitué à faire. Et puis non, ça va. Bon, on parle de tabou, on a un exemple encore qui puis comment dirais-je, on va dire qui puis belle, mais on va qui dans le même sens. Coupé clou était sorti avec un carnaval, il dit wa coupé, wa coupé. Oui. Tout trajet. Oui. Donc mon yo c'est exactement c'est défoulement ça vous t'a cherché hein. Disons que et moi-même pas imagination me parler dans le même sens là. Bon, disons que vous avez de me sortir à un carnaval kounye là. Si Caribbean c'était existé, si nous on nous font un rewind dans les années 90 et nous t'a sorti avec une musique les tantes nini. Yes. Sans pour autant que ta musique carnaval parce que il était gagné un succès. Il était gagné un succès et puis il était gagné une dynamique que mon yo debout jouer les mon yo sauter au pomper. Donc même j'avais tabou combo pas de fond musique carnaval, coupé clou et pas de fond musique carnaval. Donc on d'a sorti avec ta nini mais encore une fois et m'pas connait non, m'pas penser que ou juste pas envie ou pas bien le feeling là. Non et on s'arrivait